Qu'est-ce que j'ai chaud? Alors, ça vient pas. Ça y a l'air de fou. Ça à 100% depuis 5 minutes. Ah voilà. Ah putain, du coup je vais devoir acheter les trucs, je sais pas sauvegarder. Friend, what you want anyway? Here to yap or into the bar? Dry land means fresh stock. Come back anytime. You better hope your little Du coup j'ai l'épée pour elle et l'arc pour moi. Et où l'arc? Il est là. Et l'arbalète pour elle. Est-ce que je peux donner tous mes golds à lui là? Ouais, c'est quand même mieux. Ce que j'aimerais bien faire, c'est sauvegarder aussi. Ah, j'ai un casque aussi à mettre sur lui, je vais zapper. Il est où le casque? Il est là. Best be on my way. What now? Never thought I'd see these back. Crafty little. Here then. Is now move. The parasite stares. A true soul, eh? Glad you're here. He's stuck in there with poisoned geese. You? Us? Near? Place is older than bone dust. Previous tenants left. Get near out, and you'll have the Absolute's blessing. No doubting that. Entrance to an ancient temple. General's ordered. He got me to recruit non-believers. They don't get paid soon. I'll have a riot on my hands. Not a one. Unless you count tacking Aboleth fangs to my whipping cane. Thought you would. Ah oui, ok. Donc ça c'est... Oh, c'est intéressant. Et là, on pousse un ennemi au posteur, je sais bien plus ça c'est quand même chose. On va prendre les deux. Alors. Attaque le porteur et le reste, c'est dernier que juste sa réaction pour épouser elle est d'une attaque à main nue. Ça a rien. On va faire des moines peut-être. Je sais pas si il y a la classe moine en vrai. Du coup, on va essayer de tout exploser. Je sais pas comment. Enfin, je sauvegarde maintenant. J'aurais bien une aussi. Ah, fou de bombe à canon aussi. Il avait genre ici. Ah voilà. Trop facile. Beldron, can you hear me? Finally. Worthless slaves! Your incompetence has been my ruin! Nir does not fail. Oh, ça va, là. You care for the weak, true soul. Most curious. Il n'y a pas souvent de mi-crédit, de réclame vengeance. Je suis en mission, ça fait pour l'absolu. Non, je peux essayer de faire. You heed an overgrown toadstool.
du café, je crois, quoi, non? A true soul. Force, ouais. Thrym, carve out his heart and serve it to the Rothay. If he indeed is a true soul, let the absolute save him. What's true? I see your idiocy is surpassed only by your ego. Dwega, this true soul has betrayed us. Oh, ouais, d'accord. J'aurais peut-être pas dû lui parler, mais attends, ça doit reculer. J'ai pas compris ce que je voulais. Ouais, j'ai tué deux personnes avec elle, on va trop trop bien. Et j'ai vraiment foncé en temps, ouais. Ah, mais j'ai pas vu, c'est lui aussi. En plus, les esclavagistes et tout. Ça fera de l'XP. Si j'y arrive. Bon, tiens, l'archer ici. Je peux pas attaquer au corps à corps. Je peux buffer déjà. Je peux pas buffer, j'ai vu. Je peux pas attaquer. J'ai besoin de soigner. Si je peux soigner le zèle. Bon, pour 4 fois lui, ça serait pas grand chose, mais bon. Ok. Est-ce que je balancerai pas une boule de feu sur lui? Ah, ça fait des dégâts de zèle, la boule de feu. Ah ouais, je touche pas les deux, elles sont pas assez paquets. Par contre, je peux faire la balle et cliquer sur lui. C'est pas tant de dégâts que ça. Ce qu'on va faire, c'est il va se mettre en haut, où il y a l'archer. Ça, si je peux le pousser après. Déjà ce prix. Oh la contre attaque que j'ai mis. Oh oui, voilà. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Oh, le grand psychique qui appelle de renfort. Ah ouais, génial. Lui déjà. Oh, ça l'a pas tué. Ah, ça l'a tué. Ce que je peux faire, c'est TP devant lui aussi. Ça m'empêche de bouger. Elle est trop forte, hein, la guerrière, hein, c'est ouf, hein. Encore 3. Ouais. 22 dans ton cul gratuitement. Par contre, il est effrayé. Il est invisible. Coup de bâton à ce gueule. Ça va, loulou? T'es réveillé? Qu'est-ce qu'il y a, mon loup? Ah ouais, c'est les tampons. Ouais, en fait, il faut les trouver. Non, mais crie pas à côté de moi, loulou.
Il me crie dessus. En vrai, si je le fais tomber, lui. Ça marche. Hein. Que se font. Calais de fureur, même si on dure un combat, c'est pas ça qu'on s'en sort avec 50% de son récent comme il c'est fureur pour toi. Ça, ça peut être intéressant pour elle. Je peux balancer un soin, balancer sur lui. On va faire plus. A tout à l'heure, loulou. Tu vois la brocante? Ça marche. Ça. Fait trop récent. Hein. Ah, ça pas marché. Bah, je peux pas quand même balancer une nuée d'aigle ou un truc comme ça. Alors la nuée d'aigle ici va pas servir à grand chose. Trait de feu ici peut-être. Ah bon, mes traits de feu font plus mal. Comment ça rapetisser? Assaut colossal. Ah, je suis effrayé, je peux pas bouger. Je peux invoquer la main au pire pour essayer de faire tomber après lui. C'est fou, j'aurai un autre à faire. Ah, il a pris une potion, d'abord. Il est mort. Hein. Oh. Il a pas mis de coup. C'est Daltar et Dra. Ils sont invisibles. C'est lui là. Non. C'est Ekel. Ah non, c'est coup critique fois c'est échec critique. C'est en brocant, je vais soigner, je pense. J'ai besoin de soins là. Ah bah, du match, ça apprend au broker. Petit coup gratuit. Ça va se faire à tout, ça me va. Bah, qu'est-ce que tu fais? Ok. On va soigner directement lui. Je peux pas faire autre chose, je pense. Si je peux encore soigner. Bon, on va soigner lui. Et après, on attaquera avec ombre cœur. Hein. Allez, pousse-le. Ça marchait, c'est bien. Et en plus j'ai électrifié. Parfait. Je crois que t'es payé. On va se pas payer le week-end, hein. On va attendre mardi, je pense. On va essayer de tuer lui plutôt. Ah non, il y a lui. Oh, ça fait mal, pas rien. J'aurais dû me désengager avant. Je tue le mage, il est pas très dangereux en vrai, mais si je peux le tuer là, ce serait bien. C'est parfait. Il y a sa tête. Épée hurlante, une rapière, on va la mettre à Will. Oh, une nouvelle dague, ça c'est bien ça. Pour lui, il a 1000 balles, lanterne lunaire cassée, pas ténébore, immunise contre les entraînements, je suis pris au piège, je suis en train de glisser sur la glace. Oh, c'est trop fort ça. C'est la larve. Ok, faut équiper la larve. Ah non. Et là,
Est-ce que je peux faire ça? Ouais, je peux. C'est raté, mais moi je vais tenter. Oh non! Oh, mais je vais perdre mon breaker, il m'a poussé dans l'air. Comment je fais? Il a poussé mon breaker dans la lave. Oh non, elle va crever du coup cette conne. Je peux pas la taper. Je peux pas aller la chercher. Je peux peut-être pousser lui du coup pour vous venger. On va tenter. Je peux pas TP en breaker hein. Elle va mourir dans la lave sous son gueule. Est-ce que je peux la raise? Voir si je fais ça. On va se mettre là. Je peux la raise, mais je pense qu'elle va. Elle va remourir directement en fait. Hein. J'ai rien pour TP les gens. Je peux pas lancer un truc? Non. Fini combat rapidement, peut-être qu'elle pourra se TP, on sait rien. En train de fond, voilà. Ah, en plus elle me le tue. Bon, il reste un PV. Sérieux là? Il reste un PV, je peux rien faire. Hein. 70%. Hein. No time to waste. Oh, en plus, ça se met invisible. Génial. Avant, non, putain, j'arrive pas le champ en plus. Ça. Évidemment, ça compte pas comme une mort parce qu'il y a encore l'œil de merde là. Est-ce que je peux sauter? Ah, je peux sauter. Ah, elle va pas mourir, du coup, c'est bon. Ouh, putain, j'ai eu chaud. Hein. Elle a un PV, mais j'ai. Vol. Ah, j'ai eu très très chaud. Hein. Faut que j'arrive à tuer le l'œil maintenant. C'est le seul dernier ennemi et il fait rien techniquement. Ah, ça c'est bon. Fleet of foot. J'arrive à le radar qui est immobile, sérieux? Ah non, mais y'a encore un mec là! Ah, mais y'a un mec ici! Je l'avais pas vu, t'es caché! Ok, je vais raise avec la zèle, c'est pas grave. Là, je vais tirer à l'arc. Hein. 95%, ça devrait. Ah, je l'ai pas tué, putain.
peux pas te cacher, genre foncer quelque part, tu vois. Cache-toi là-bas en attendant. J'ai réussi à sauver Ombrecoeur, ça, hein, parce que putain, dans la lave, elle aurait pas fait long feu. Hein. J'arrive pas à la taper, putain. Voilà. Voilà, j'avais plus ça. Il reste plus que lui, du coup. Il y a 7 PV en plus. Voilà. On va looter, hein. Oh, bah oui, il est bête, forcément. Tempête de ses soldats et Mario Sui affiche un point de dégâts de tonnerre supplémentaire. J'ai la marque de l'absolu, donc ça tombe bien. C'est quoi mon deuxième bijou? 2 points de dégâts, un point de dégâts bonus, un dégât de lancer. Le lancer, on s'en fout. Le lancer au pire, on va mettre celui de lancer. Hein. On va le mettre à elle, parce qu'elle lance plus souvent, peut-être. Enfin, elle lance pas du tout. Mais... Je dois être payé jeudi, ça tourne le mardi. Malheureusement, les banques sont fermées le week-end et des certaines banques sont fermées le lundi aussi. Du coup, tu te fais un peu baiser. Hein. On va aller se reposer parce que je sais pas si, on sort de la ville, on va pas se faire attaquer par les autres. Hein. Ma femme à chaque fois elle met le tabac dans le salon alors que je l'avais mis à côté de moi pour éviter de me lever. Allez, on va se reposer un peu parce que là on l'a bien mérité, on a failli perdre mon record encore une fois. Elle, ça fait 3 fois que je la perds dans l'aventure, à chaque fois je charge la partie. Attends, est-ce que je peux pas mettre des trucs dans mon coffre là? J'ai un coffre ici. Hein. Ça, les stuff que j'ai en trop, je vais mettre dans. On peut pas? Coffre de voyage. Enfin, bon, si, non? Ah non, ça avait juste dessus, ok. Ok, ok. Bah, je vais prendre la fenêtre dans la gueule, moi. Tant pis, on la vendra au pire. Hein. Quitter le camp. Moi, j'ai encore gagné 300 boules au casino cette nuit. J'ai joué à 2h30 du mat. J'ai joué 25 balles hier après-midi. J'étais monté à 175 hier soir et j'ai rejoué un peu sur mes gains. J'ai rejoué à 25 balles, du coup j'étais à 150 et j'ai gagné 150. Quoi. Enfin, j'ai gagné 200 mais j'ai rejoué 50 que j'ai perdu après. Mais en tout, j'ai gagné 300 balles avec 25 balles, donc c'est cool. La pulseur, et si je suis tout de même le boucher délégué. Ah, intéressant. Ouais, toujours. Ouais. Toujours sur la même machine, oh, c'est ce que t'as dit qui me fait gagner. J'ai essayé d'autres machines, là tu vois, je perds sur celle-là. Après, des fois elle donne rien, mais le plus souvent elle me donne beaucoup. Et mon beau-frère, c'est pareil, les autres, les autres machines ne donnent pas beaucoup. Et celle-là, elle donne beaucoup. Donc, je sais pas si c'est la machine qui fait beaucoup gagner ou alors c'est genre. Nous qu'on a de la chatte sur celle-là, tu vois. Enfin c'est pareil, hein. Ce mois-ci il a dû ramasser quasi 3000 balles je crois. Après il joue des tours à 3€ et tout, moi je joue 75 centimes le tour, voire 3€ quoi, donc quand je gagne beaucoup. 1€20 sur 1€50 maxi. Lui il joue vraiment très gros. Hein. Lui, en fait nous on préfère perdre 25 balles et rien gagner, mais miser fort et si t'as des bons tours gratuits ou t'as un bon truc, et ben hop tu ramasses 50 balles, 100 balles, 200 balles, tu vois. À la limite, je préfère faire ça
plutôt que juste jouer 30 centimes, gagner 5 euros, tu vois, je m'en bats les couilles. Avec 5 euros, je m'en bats les steaks. Hein. Voilà. Bah, du coup, j'ai tué tout le monde là, il n'y a plus rien à récupérer, on est d'accord, hein. Là j'ai tout fouillé. Hein. Bon, ouais, il n'y a plus rien, hein. Bon, on va sortir. Hein. On va voir si on peut se faire attaquer par les autres là. Par ici, je crois. Ouais, ils vont sûrement m'attaquer à mon avis. Hein. J'ai même pas 25 euros, j'ai toujours de l'argent. Bah. J'ai dit, hein, moi je peux pas, je serais malade si j'ai pas d'argent sur mon compte. Genre les fins de mois et tout, c'est pas pour moi. Hein. Il faut toujours que j'ai minimum 2000 euros sur mon compte. Hein. Minimum. Hein. Après, je mets tout le reste, j'en place et tout, tu vois. Mais en compte courant, obligé minimum 2000. On sait jamais ce qui peut arriver, c'est une grosse facture d'EDF ou un truc comme ça. La route. J'entre bien là pour voir ce qu'il y a. Et maintenant monter là-haut, donc quoi je sais, c'est une lanterne lumière. One of those shit. Good thing the Death Darks clogged the top land. Clear to Moonrise Towers. Only a moon lantern dispels it. Shadows, thick as a twig. Go on up if you fancy. Me. Passer par les tréfonds sur la tour de Haute Lune en passant par Malforge. On peut passer dans les tours par ici aussi. Ok, ouais, du coup si jamais on passera par là. Là on va rentrer, on va aller voir le Roberto là. Attends. On va passer en mode, on va TP directement. Tréfonds, retourner voir le souverain des Myconides, le col de montagne, la crèche du monde. Ok, donc on va faire le souverain des Myconides. C'est où? Colline Myconide. Oh, ma femme aussi est dépensière. Ma femme, elle peut être à découvert, elle s'en bat les couilles. Moi, je suis malade si j'ai pas d'argent sur mon compte. Pourtant, je ne dépense pas, hein, c'est juste être assuré d'en avoir. Quoi. Je suis pas du tout dépensier en plus, mais vraiment pas. À part pour les gosses, ma femme, machin, mais pour moi. Je suis pas du genre à m'acheter des fringues, m'acheter. Quoi que je voulais acheter une carte graphique. Je voulais acheter un RTX, mais bon, 300 boules, c'est mal au cul quand même. Hein. Je suis avec un homme glut, t'as cherché à massacrer votre cercle. Hein. Ouais, mais j'ai aussi tué la drow. Pas le drow. Faut sur Orient Story. Ça portait la tête de Nair. C'est bon, je les aurais bien aidés, les Myconidans. Oh putain, il a vraiment pris sa tête. J'aurais ça, c'est pas un chanteur de vie. Ok. Sur la fois, vous avez offert une récompense en échange de la tête de Nair. Amulet d'une serre voix du cercle. On va la prendre, on sait pas ce que ça fait. Attends, ça invoque un truc. Voix du cercle. Ça fait quoi? Pour faire un aïe, besoin de plus deux tests de persuasion. Ok. C'est tout. Je suis sur Orient Story. La plupart de mes grosses sommes, c'est ça. Je sais pas si je peux te montrer. Attends, je me log avant. Ajouter une source, capture de fenêtre, Chrome. Non, pas Discord, Chrome. Ah, tu regardes à gauche là, tu sais. T'as les plus gros ici là.
T'as les plus gros tours, t'as mis les F20. Ah oui, non, t'es obligé, parce que tu dois donner tes relevés d'identité bancaire et tout, tu vois, parce que faut que t'es majeur, ton numéro de carte bleue, ton... Enfin non, ta carte bleue, mais tu dois... Enfin, tu dois prendre une photo de ta carte bleue, mais cacher les derniers chiffres, pour qu'ils vérifient bien que c'est la tienne, et bien ton nom et tout, elle doit être signée. T'as... tu dois donner un justificatif de domicile, et photo recto verso de ta carte d'identité. Bah après, tu le fais une fois, mais en vrai, tu peux quand même jouer, hein. En vrai, tu peux quand même jouer. Mais tu peux pas retirer l'argent si ton compte est pas payé. Mais après ça va vite, franchement en 3-4 jours c'est fait. Même quand tu retires l'argent, le lendemain c'est sur ton compte. Mais oui tu mets les 20 fois. Moi ça fait un moment, ça fait peut-être 1 an et demi que j'y joue, et mon beau-frère ça fait 3 ans qu'il joue. Donc on n'a jamais eu aucun problème avec, je te rassure. Le seul problème c'est qu'ils font pas de paiement PayPal. C'est un peu relou. Là, tu vois, j'ai déjà fait des tours à 330 là sur Orient Story, là 275, 270, 252. La Volcano, j'ai déjà fait 170, mais bon, on s'en fout, j'y joue rarement. Et là, oh, sorry, 158, tu vois. Mes plus gros tours, c'est sur celle-là. Voilà. Après, c'est des petits gains. Mon beau-frère, lui, il a des 700, 800 balles. Il a déjà fait des jackpots à 1200 balles et tout. Oh, le plus gros jackpot que j'ai mangé, c'était 40 euros, tu vois. Donc, c'est un peu de la merde. Ouais, en gros, tu peux y aller 100% confiance à ce casino, hein, franchement. 350 à 950, ouais, c'est pas mal. Hein. Après, le truc, c'est que c'est pas difficile de gagner, mais c'est difficile de conserver ses gains. Parce que tu te dis, genre, exemple, tu joues 25 balles, tu gagnes 60 euros. Tu dis, ouais, je mets 50 euros de côté, je jouais 10 euros. Tu joues 10 euros, tu perds tes 10 euros, tu fais, bon, bah, je vais enlever 25 euros, et puis sur mes gains, et puis rejouer, et puis tu les perds, etc. Tu vois. En fait, le mieux, c'est soit tu chopes un gros truc d'un coup, genre 200 balles d'un coup, et là tu mets 150 de côté, voire 200, et tu joues le reste, mais tu touches plus, tu vois. Mais ça, c'est le plus dur. Moi, j'arrive pas. Moi, des fois, je gagne 800 ou 900 balles, et je rejoue 400 balles derrière, alors que je sais que je vais perdre, hein, mais. Vraiment, faut pas être greedy en fait. Si tu gagnes, c'est bien. Tu vois. Si tu doubles ta mise, déjà, c'est bien. Tu joues 25, tu gagnes 50, c'est très bien. Tu joues 25, tu gagnes 100, c'est très très bien. Tu joues 25, tu gagnes 300, bah ne rejoue même pas 25 balles, ça sert à rien. Tu vois. Après, je trouve que c'est plus facile de gagner sur ce casino, enfin sur cette machine-là, sur ce casino en ligne, plutôt que de gagner sur ces machines au casino. Moi, je joue souvent au casino près de la plage, là. Mon plus gros gain, c'était 160 euros, je crois, en jouant 50 balles. Donc c'est pas terrible. Bon, enfin, il a déjà gagné peut-être 500 balles maximum. Et on gagne beaucoup plus, et puis c'est sur ton téléphone, sur ton PC, tu vois. Donc tu peux faire quand tu veux. Une fois que ton compte il est validé et tout, tu joues quand tu veux. Après, si tu veux te mettre une limite, tu peux te mettre des limites de compte. Genre, tu vois, pas mettre plus de 100 euros, par exemple, par mois, ou des trucs comme ça. Tu peux spin 10 centimes, mais frère, si tu spin 10 centimes, tu vas gagner 2 euros en jackpot, quoi. Tu peux spin minimum 15 centimes sur Orient Story, je crois. Moi, je fais spin 75 centimes. Entre 75 centimes et 3 euros, je spin. Bah, spin au moins 30 centimes, quitte à gagner un truc, gagne au moins 10 euros quoi. Parce que 15 centimes, franchement, tu gagnes un gros truc, tu vois que tu gagnes rien. Attends, je vais chercher une clope. Après, ils offrent 10 euros, mais aussi, genre 2 ou 3 fois par mois, ils t'offrent des spins sur des machines différentes. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé, j'avais pas d'argent sur le compte, tu vois. Enfin, pas d'argent sur le compte du casino. Je voulais pas y jouer, et là, ils me disent, ouais, vous avez gagné 50 tours gratuits sur une machine. Je vais les faire, 50 tours à 10 centimes, je pète le jackpot, 27 euros. Bon, forcément, 10 centimes, c'est pas grand chose. Avec les tours gratuits. Avec les 27 euros, je vais sur Orient Story, ma machine, tu vois. Et je me fais 300 balles. Genre, ils m'ont juste offert des tours gratuits. Bon, un gros coup de chat, hein, c'est pas arrivé souvent. Pareil, des fois ils peuvent t'offrir de l'argent aussi. Des fois t'as des événements où si tu mets genre 50 balles et ils te donnent 40%, 50%. Donc au final t'as 75 balles pour jouer quoi. Bon, ça marche aussi avec 25 euros, mais c'est un peu moins.
à 10 euros de plus quoi. Et ils font toujours ça, enfin ils sont généreux comme casino. Hein. Après je te promets pas que tu vas gagner, mais si tu peux te faire un petit billet, ouais attends. Surtout sur la machine que je t'ai dit, franchement elle gagne. Si tu vois qu'elle donne, tu joues, si tu vois qu'elle donne pas, arrête de jouer. C'est juste qu'elle donnera pas. En fait, c'est vu que ça marche par répartition. Si elle a déjà pété un jackpot, elle a déjà donné 800 balles à un mec il y a 10 minutes, elle va pas te redonner 800 balles maintenant. Ouais. Moi, je vois, si je vous dis 10 euros, 10, 15 euros, tu vois, si je vois qu'elle donne rien, j'attends une heure ou deux, et puis je rejoue. 100% premier dépôt, ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne. Moi, j'ai eu. Bah, quand j'ai joué là, j'ai mis 25 balles, c'était quand mon beau-frère il est venu manger. Mercredi je crois. On est samedi, ouais, il est venu manger mercredi. Non, jeudi soir, donc il y a deux jours. J'avais 50% sur le dépôt, j'ai mis 25 balles, j'avais 32,50. Et avec ces 32,50 j'ai gagné 50 balles, après 175 balles, et après j'ai rejoué le soir, enfin hier soir là du coup, et j'ai gagné 300 balles. Je rejoue avec Mega, tu vois, j'ai mis une fois 25 balles, mais après je rejoue avec Mega quoi. Et une fois que t'as 50 balles, tu peux faire un retrait directement et ça met 12 heures pour se valider, en 24 heures sur ton compte. Donc en gros, en 2 jours sur ton compte. Enfin, c'est trop bien. Le problème, c'est que quand t'as un peu d'argent, bah genre moi, tu vois, moi je suis vachement tenté à mettre 25 balles quasi tous les jours, tu vois. Après, je suis largement dans mes frais, genre ce mois-ci, j'ai dû faire. Franchement, j'ai dû faire 900, 1300, 1400, j'en sais rien, tu vois. Mais j'ai dû jouer 150 balles en tout. Mais bon, j'ai fait 10 fois plus, tu vois. Donc, ça. Après, il y a des mois, genre au mois de juin, j'ai joué 100 balles et j'ai tout perdu. Hein, j'ai rien gagné. Donc, ça dépend de la chance aussi. Hein. On va pas te dire que tu vas gagner à 100% non plus. Hein, Mais si tu gagnes, tu peux te faire un petit billet, quoi. Des fois, ils font des week-ends où ils te donnent 100% si tu mets 100 euros. C'est-à-dire, tu mets 100 euros, ils te lâchent 200 euros. Pour jouer au casino. Donc 200 euros casino, il y a quand même moyen de gagner un bon jackpot. Hein. Ou de tout perdre. Bon. Ça, après. D'autres fois. Salon T, tout en ruine. Merde. Ouais, donc c'est forcément là-bas pour avancer. On va repasser là. Quand tu as acheté des godasses à la brocante. Je me dis c'est pas la bouteille. Alors c'est des jouets. Oh il y a des peluches mignons, mais t'en as pas assez. T'en as pas assez des jouets. Ah bah ouais c'est sûr. C'est pas l'avant-poste. C'est la plage ou la malforge? Non, c'est la malforge, on est d'accord. Hein. Après, c'est addictif hein, aussi, Casio. Bon, je joue quasi tous les jours, je peux te le dire. Et du coup, la lanterne, il faut peut-être que je l'équipe, non? Je sais pas où je l'ai foutu la lanterne. J'ai trop de trucs dans l'inventaire encore une fois. Voix du cercle. On s'en fout en vrai. Ouais. L'amulette elle sert à rien. Ah j'ai une dague, c'est vrai. 7, 10, 8, 14. 4, 7 ici. Ça change absolument rien. Sauf que la deck de chasseur est un peu mieux quand même. Bah, c'est mieux d'avoir l'effet perforé de toute façon. Je vois pas où je l'ai foutu la lanterne en fait. Je vais peut-être looter avec un autre perso. Creuse fond, c'est une pioche à la limite. Je vais peut-être m'en servir pour creuser un trou. Bouclier, ouais, on s'en fout. Grippe à loulou s'il te plaît. Épée hurlante.
Des dégâts psychiques, c'est sympa. Effet de maîtriser. Après, le bâton, il est cool. Ouais, le bâton, il est cool. Moi, je vais garder le bâton. Anneau de lancer. Ouais, j'ai pas de bijoux sur elle. On va garder ça, il y a la foulée. Pourquoi il a mes gold là. Achat de main, ouais. Non, l'épée de main, je vais garder, du coup, ça peut servir. La calotte de fureur. Durant un combat, si le partenaire commence son tour avec 50 points, il bénéficie de fureur pendant deux tours. Ça, c'est cool, hein. Si elle peut être en plus enfoiré, j'allais dire. Voilà. On va sauvegarder et puis on va voir si on peut passer par là. Hein. Quitter enfin ces fucking tréfonds. Vous avez bien fini ce que vous comptez faire à la région, ouais c'est bon ça. J'ai plus rien à faire dans cette région. Je vais arrêter là-dessus là. Ça fait combien de temps là? Ça fait ouais 2 fois 40 minutes. Là. Je vais arrêter maintenant. Ce sera une nouvelle zone, ce sera l'occasion d'arrêter. De haute lune, ok, elle est juste là. La tour de haute lune. On va leur parler plus tard. On va arrêter là-dessus. Bah, du coup, je suis arrivé à la tour de haute lune. Enfin, au bout de je sais pas combien d'heures de jeu. Bah, on va arrêter là-dessus. Puis on continuera. Pas demain, je suis pas là. Ah, peut-être. Je suis peut-être là demain. Demain, en début d'après-midi, je suis là. Sinon, lundi. Allez, ciao, ciao. Bon courage pour le casino si tu joues Wita.